Salut tout le monde, bienvenue dans un autre jour, j'ai eu la misère à parler, dans un autre Vlogmas de Calou. Aujourd'hui, on décore le sapin, donc notre petit coin de divan est libre. Je sais pas ce qu'on va faire sans table, parce que moi, la petite, tu sais, je garde genre la crème pour mes mains, des livres sur le bord, mais là, en tout cas, je sais pas ce qu'on va faire. Mon mari pense que ça va être serré, puis que ça va pas rentrer. Je suis quand même d'accord, fait qu'il a dit ce qu'on va faire sûrement, c'est les branches du fond, ben de les lever par en haut, tu sais, puis le coller contre le mur. C'est pas la fin du monde, c'est pas si pire. Fait que on va faire ça. On a mis nos pyjamas What the Elf. Ça va être un petit peu plus beau que mes camisoles d'allaitement. Puis c'est sûr que je vais vous mettre en accéléré pendant qu'on décore. Aujourd'hui, on est le 27? Ouais, 27 novembre. Puis Ruby, cette nuit, s'est réveillée avec son oreille qui faisait mal. J'ai donné du Tylenol. À matin, ça allait bien. On est allé faire du bénévolat à l'église. Mais en revenant dans le char, elle hurlait, puis elle se pognait les oreilles. Elle hurlait, hurlait, hurlait. Puis là, rendue à la maison, j'ai checké. Ça dit que ça faisait, elle faisait de la fièvre, mais je sais pas si, vu que tu pleures beaucoup, t'as chaud, ça peut faire que t'as de la fièvre. En tout cas, c'est avec le thermomètre frontal. J'ai le Tylenol, puis depuis ce temps-là, elle est de meilleure humeur, mais là, je suis pas mal sûre que ça va arrêter bientôt. Fait qu'à surveiller, j'ai réservé un rendez-vous au chiro mardi. Puis si jamais demain, elle a de la fièvre encore, puis elle a encore full mal, j'ai essayé de trouver un rendez-vous en clinique. Le problème, c'est que tout est toujours plein, là. Mais ça fait une infection, elle a besoin d'antibiotiques. Fait que, on verra pour le moment, on gère comme ça. Je vais aller aider mon mari à monter le stock, puis on se reparle super. Bon, fait que, bac numéro 1 est monté. Mon mari va monter la boîte avec le sapin. Ça, c'est comme les guirlandes, les décos, etc. Fait que, c'est ça. On va checker ce qu'on a. Cette année, j'essaie de ne pas acheter des décorations justement pour sauver des sous. Fait qu'on va faire ce qu'on a avec ce qu'on a. L'année passée, j'avais fait quand même un bon haul, fait qu'on va être correct. Ce sapin-là, je l'avais acheté l'année passée. Il est en rabais, puis c'était un 7 pieds et demi. Il est quand même haut, mais il n'est pas trop large. Pour ça, je me dis qu'on risque d'être correct. On va voir. Puis il est pre-lit, mais nous, on rajoute des lumières colorées, je veux dire. Colorées, oui. Parce que j'aime pas juste des lumières blanches. Nous, on est très colorés. Notre thème, c'est genre mon sapin d'enfance, tu sais. J'ai réalisé ça avec ma cousine Jess l'autre jour, parce que elle, son sapin, il était comme tout bleu et blanc. Puis j'ai dit, hey, c'est comme ta mère, parce qu'on passait Noël, soit chez sa mère ou nous. Puis elle dit, hey, ça fait trois personnes qui me disent ça, ça doit venir de là, tu sais. Comme j'ai dit, mais ça fait du sens, parce que moi, mon enfance, c'était très coloré. Puis notre sapin, il est ça, tu sais. Fait qu'on répète un peu ce qu'on connaît. Fait que Ruby est déjà debout sur une boîte, ça me surprend pas. Elle commence à se lever sa table tout le temps maintenant. Fait que c'est ça, on s'y met, le chien se fait faire donner un petit massage. Je vous mets sur le trépied et on part.
étoiles, mais notre sapin a l'air de ça. Et notre petit côté geek dedans. Il y a le premier Noël de Ruby de l'année passée. Photo de Chelsea, de Ruby. On a des Peach, des Pikachu, des petits elfes. Il y a des décos que ça vient de chez nous quand j'étais jeune. D'autres qu'on a fait faire ensemble, comme toutes les Yoshi, tout ça. Ça, c'est mes décos Harry Potter de mon sapin l'année passée. Pas mon sapin, mais mon calendrier de l'Avent. Cette année, c'est des bas, mon calendrier de l'Avent d'Harry Potter, mais là, c'était des petits décos, fait que j'ai des petits trucs Hufflepuff, Slytherin. Donc là, il va juste rester à décorer le reste de la maison. J'ai un sac, puis j'ai mis une petite banderole ici. Sinon, il me reste un sac de petites décos pour la maison. Je vais vous montrer quand c'est placé. En tout cas, vive iCloud qui garde des vidéos d'illité plus longtemps que ton téléphone. Parce que tantôt, pour faire l'espace sur mon téléphone avant de filmer cette vidéo-là, j'ai délité mon vlog du jour 5 du vlogtube en me disant que je l'avais mis en ligne, mais je l'avais pas mis en ligne. Puis là, j'ai capoté. J'ai dit, hey, c'est quand même un vlog de genre, je sais pas combien de minutes, tu sais, 15 minutes. Ça me tente pas de genre commencer. Fait que là, j'ai lu que des fois, le iCloud le gardait plus longtemps. Fait que là, je suis allée voir, puis il était là. Fait que j'ai downloadé, puis au moins là, je l'ai pas perdu. Parce que c'est ça. C'est beaucoup de travail, tu sais, faire des vlogs. Ça me tente pas de gaspiller une journée. Là, encore plus que j'en fais à tous les jours, là, c'est ça. Là, le seul problème qu'on a, c'est qu'en ayant ça là, puis en ayant tassé le divan, notre coin là-bas, il est vraiment plein. Fait que je sais pas où qu'on va mettre tous les jouets. Mais comme j'ai dit à Étienne, peut-être qu'on va descendre la glissade en bas, la marchette, elle n'a plus besoin. Essayer de descendre des trucs là, qui utilisent moins dans le sous-sol. Fait que, on va essayer. C'est bon, ce petit bonhomme-là, il va se faire promener parce que Ruby l'aime bien, mais bon, je l'ai mis là. Puis j'ai mis un petit sapin ici. En haut, j'ai mis mon petit sapin, ma reine, mes petites décos. Fait que déjà que c'est bourré, je l'ai pas racheté trop de stock. Puis là, j'ai mis les bonnes Noël des enfants sur la rampe avec une petite guirlande. Fait que ça a l'air de tout ça. Donc, sur mon spot de divan, le sapin, il est assez proche, mais ça va remplacer ma lampe qui était là pour lire. Fait que on fait ce qu'on peut avec le layout de notre salon. Bon, fait que... C'est le soir. Mon mari est parti se coucher parce qu'il travaille ce soir et il était fatigué. Ruby puis moi, on va se coucher bientôt. Moi aussi, je reste de me coucher. J'ai comme mal dans le cou, à la tête. Fait que je pense que je suis brûlée à cause de la nuit passée. Puis, madame, là, je suis pas sûre si ça a mal aux oreilles ou si c'est ses dents. Peut-être parce qu'elle touche ici. Fait que c'est peut-être ses molaires. Fait que là, le Tylenol fait, elle va mieux. Je vais lui donner du Advil à mal de dos pour essayer qu'on ait un bon stress de sommeil. Fait que je vais peut-être me coucher en même temps qu'elle juste pour m'assurer de comme bien dormir une partie de nuit. Mais c'est ça. Fait que c'est peut-être ses dents, on va voir avec le temps. Honnêtement, je préfère que ce soit ses dents qu'une infection des oreilles parce que je suis tannée de donner des antibiotiques. Puis il y a tellement pas de rendez-vous nulle part que si ça peut être ses dents, tant mieux. C'est un peu dur à voir les dents dans le fond. Là. Encore plus que la douleur souvent commence comme avant que les dents sortent, mais. Je vais surveiller ça de près. Fait que sur ce, je vais terminer le vlog parce que je dois en faire d'autres cette semaine pour être pas trop pressée pendant le mois de décembre. Mais j'espère que vous avez aimé décorer avec nous. Laissez-moi un thumbs up si oui. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on se voit une prochaine fois. Bye! Mesdames, mon amour.